Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un vidéo test de Sonic Riders, un jeu sorti en 2006 fait par Sega, enfin Sonic Team, et c'est un jeu sorti sur les consoles de l'époque, GameCube, je pense PS2 et Xbox. Donc là on est sur la version GameCube. Donc comme vous pouvez voir, c'est un jeu de course qui se fait en skateboard. En skate anti-gravité. Voilà, on va passer la démo qui se lance. Donc c'est un jeu très très technique car il y a quand même plusieurs choses à apprendre principalement dans ce jeu de course. C'est pas comme un jeu comme je sais pas le Mario Kart 8 par exemple. Où tu peux gagner contre l'IA assez facilement, même l'IA tu mets en difficile en 150, ça reste quand même pas extrêmement dur. Alors même quelqu'un qui connaît pas complètement les circuits peut quand même gagner. Bon, après il faut quand même savoir un minimum faire des drifts là, des virages, mais voilà, ça reste quand même assez simple. Alors que là, ce jeu-là est vraiment pas facile. Donc voilà, il y a deux modes d'histoire, le mode Heroes et le mode Babylon. Alors le mode Heroes, bah, c'est tout simplement le premier mode d'histoire qu'on a au tout début, on est obligé de prendre ce mode d'histoire. Et quand on finit le mode Heroes, enfin le mode héros, pourquoi je dis en anglais, et ben on a le mode Babylon. Et quand on a le mode Babylon, bah, c'est le deuxième mode d'histoire, c'est là où on dirige en fait les méchants du jeu. Voilà, tout simplement. Les trois nouveaux méchants. Pour tout vous dire, je me souviens plus de leur nom parce que voilà, on les voit plus par la suite dans les Sonic d'après. Et dernièrement, quand je jouais à ce Sonic Riders, je ne faisais plus le mode histoire. C'est plutôt des courses normales, voilà, c'est un jeu très quand même convivial. On peut jouer de 2 à 4 joueurs, enfin de 1 à 4 joueurs plutôt. Donc voilà, enfin sur la version GameCube en tout cas. Donc il y a des contre-la-montre, enfin perso moi contre-la-montre j'en ai presque pas fait. Les courses libres j'en ai fait énormément avec des potes. Bon, le problème c'est quand même un jeu, faut quand même pas inviter n'importe qui. Hein. Faut quand même que le mec il connaisse un peu Sonic Riders. Parce que bon, s'il connaît pas du tout, il faut tout lui expliquer là, il va rien comprendre. Donc voilà, on va prendre Metal City. Sachant qu'il y a une version Metal City normale et une version nuit. Donc la version nuit en fait c'est les versions qu'on a dans le mode Babylon, voilà, dans l'histoire Babylon. Et version jour, bah, c'est l'histoire des héros. Donc voilà, les différents personnages, je les ai pas tous débloqués, je sais pas trop comment les débloquer les derniers là. Mais voilà, il y a Shadow par exemple qu'on débloque assez tardivement. Voilà, évidemment, Sonic et ses potes. Hein. Lui, je ne sais plus son nom, c'est le méchant principal de ce Sonic Riders. Enfin, le nouveau méchant, avec évidemment quand même, il y a Dr. Eggman, hein, évidemment. Et on peut, voilà, enfin là, ça c'est un peu des persos vite fait, quoi. E-1000, je sais pas combien, là, E-10000 et E-10000R. C'est un peu des persos vite fait, quoi. Des robots de Dr. Eggman, mais ils sont un peu nazes. Donc voilà, crime, on se demande ce qu'elle fout là encore. Voilà. Donc on va prendre Shadow, parce que je l'aime bien, et on débloque assez tardivement aussi les espèces de rollers anti-gravité. On les débloque bah, quand on débloque Shadow, je pense, hein, à partir de ce moment-là. Donc est-ce qu'on peut faire contre ordi? Ouais, c'est bon. Sachant qu'on peut faire aussi des grands prix. Évidemment. Voilà, même si on débloque plus de choses en faisant le mode histoire. Ah, il y avait un clin d'œil à Sonic Adventure 1, c'est la première fois que je vois ça. J'avais même pas fait gaffe à l'époque. Et là, j'ai fait de la grosse merde. Donc on peut en réessayer, vite fait. Parce qu'en fait, le démarrage est assez spécial. Il faut voilà, être juste derrière la ligne verte.
purée, sans trop être à côté de la ligne verte, sinon on se fait électrocuter par... par l'électricité devant. Enfin, le courant. Sachant que le courant n'est plus là quand dès que la ligne verte passe. Et bah faut passer le plus proche possible de la ligne verte. Sans être trop proche, quoi. Pour pouvoir faire un bon départ. Bon, c'est compliqué à dire comme ça, mais... on comprend assez vite. Et là, la caméra part en couille. Aussi, on fait beaucoup d'acrobatie. Ce qui nous permet de remplir notre jauge de vitesse. Alors, qu'est-ce que la jauge de vitesse ? La jauge de vitesse, c'est ce qui nous permet de faire des boosts, comme vous pouvez le voir. J'appuie sur B et il fait un boost. Attendez, déjà... là, on a un petit boost quand on fait R pour faire un virage, comme à la Mario Kart style. Parce qu'on peut faire des dérapages. Quand on fait un dérapage en appuyant sur R, bien enfoncé, sachant que les dérapages sont pas du tout faits de la même manière que les dérapages dans les Mario Kart, évidemment. Là, je viens de gagner un niveau. Donc oui, quand on fait un dérapage, on peut avoir un petit boost si on réussit assez bien le dérapage. Et quand on gagne un niveau, non seulement notre jauge de vitesse est plus grande, en plus on va plus vite, et aussi le personnage a une... enfin se positionne différemment quand on sprint. Et ça permet souvent d'avoir les autres ennemis rapidement. Car si on est niveau 1, en fait, quand on fait B juste à côté d'un ennemi, quand on sprint, on fait l'accélo juste à côté d'un ennemi, il fait une espèce d'animation. En gros, par exemple, Shadow, il te fait une attaque, genre sa tête devient hyper grosse et il essaye de faire peur à son adversaire, quoi. C'est assez chelou. Et là, c'est une animation pour faire peur à son adversaire. Pour le déstabiliser, donc du coup après il est bien derrière. Alors que niveau 2 et niveau 3, bah, c'est quand même bien mieux, on n'a pas cette animation à deux balles, donc ça nous permet de pas perdre de temps, même si on touche un ennemi en faisant l'accélo. Voilà, premier, bah après c'est quand même assez simple. Là, je pense que j'ai pas mis un niveau très trop élevé. Et ça fait longtemps que j'y ai pu jouer, donc je joue peut-être pas terriblement. Et en plus, là, c'est le premier circuit aussi. Voilà, le Grand Prix. Le Monde Grand Prix. C'est très français. Donc on va faire d'autres courses. Voilà, vous avez à peu près compris le principe, en tout cas, de l'accélo. Appuyer sur B, sauf que ça utilise pas mal de jauge de vitesse. La jauge de vitesse qui est utilisée aussi quand on fait des dérapages avec R, vous l'avez sans doute vu. Sachant que si cette jauge de vitesse est à 0, le personnage se met à courir. Par exemple, s'il a son skate, parce que là oui, il courait quand même, mais il faisait du roller. Mais quand on a vraiment plus de jauge de vitesse, bah, il se met vraiment à courir. Et Sonic qui court normalement. Voilà, il court très vite, mais pas dans cet épisode. Il court pas très vite dans cet épisode. Et oui, quand le personnage se met à courir, voilà, il... c'est le sprint du désespoir, quoi. On perd nos places, non, on court pas assez vite, quoi. Il faut absolument récupérer de la vitesse en défonçant des... alors, vous avez vu des espèces de... tiens, on va prendre Sonic avec sa... voilà, on va prendre avec ce skate, avec cette planche là, assez sympa. Blue Star 2, qu'on débloque dans le mode histoire quand on est assez loin dans le mode histoire. Voilà, Splash Canyon, qui est un niveau assez sympathique, assez technique, faut quand même le comprendre, il y a pas mal de raccourcis dans ce niveau là. Et aussi on a une notation, vous avez vu, on a eu bien. C'est-à-dire qu'on a fait un dérapage pas mal, quoi, pas trop mal. Et donc là, comment on fait pour aller sur ces rails? Et bien tout simplement, il faut... bon, déjà, les acrobaties, vous bougez juste le stick directionnel pour faire des acrobaties. Vous appuyez d'abord sur A.
Donc restez appuyé sur A. Vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, là il est en train de charger son saut. Pour pouvoir faire un saut, un grand saut. Et ça il faut le faire quand on voit un tremplin. Pour pouvoir faire un saut acrobatique. Et donc gagner beaucoup de jauge de vitesse. Sachant que quand on fait un saut comme ça, on perd aussi un peu de jauge de vitesse. Et la vitesse, voilà, on la regagne en... en retombant parfaitement, en ayant fait pas mal de drift, d'acrobatie, stylé. Pas mal de... voilà, de starfish. Voilà, je m'y connais pas, moi, en nom d'acrobatie. Là, dans ces... il y a des phases comme ça aussi où elles permettent juste de remplir notre jauge de vitesse. Et ces phases-là, bah en fait, on doit juste tourner à fond le stick directionnel pour pouvoir remplir le plus vite possible notre jauge de vitesse. Mais sinon, même si on fait rien, on va à la même vitesse. Voilà, donc comme quand même, vu que c'est un jeu assez rapide, très vif, vous voyez quand même que graphiquement, c'est pas non plus magnifique par moment. Il y a certaines textures qui sont bien pixelisées. Mais voilà, en plus je pense que le jeu quand même il est sorti sur toutes les consoles de l'époque. S'il était sorti que sur GameCube, le jeu serait plus beau. Parce que la GameCube a une particularité que n'ont pas la Xbox et la PS2. La Dreamcast, j'en sais rien si elle l'a. C'est que la GameCube peut calculer très rapidement pas mal de textures en même temps et dans un jeu très vif comme ça. Même dans un jeu très vif, la GameCube ne ralentit pas, quoi. Ça reste du 60 FPS. Et ça, c'est assez rare sur PS2 et même sur Xbox, je crois. Les jeux à scrolling rapide comme ça, très rapide, où la console doit calculer en temps réel très rapidement. Donc c'est pour ça, je pense que... mince, je voulais pas faire essayer, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je pense que le jeu quand même a été downgradé en quelque sorte, qu'il est quand même moins beau qu'un, par exemple, un Sonic Adventure 2. Ah, parce que la Dreamcast et la GameCube ont une plus grande capacité là-dessus, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, mais le scrolling peut aller deux fois plus vite sur GameCube que sur PS2 ou Xbox. Après, ça veut pas dire que la GameCube est plus puissante que la Xbox, évidemment. Bon, elle est plus puissante que la PS2, par contre, elle la défonce. Donc on va faire... on va peut-être commencer un peu le mode d'histoire, vous allez voir comment ça se passe. À chaque fois, il y a des cinématiques. Voilà, donc au début, on a une magnifique cinématique, d'ailleurs. En image de synthèse. Précalculée. L'histoire est sympa, hein. Après, ça reste toujours des histoires assez simples. Et bon, voilà, je trouve que ça introduit bien le fait que Sonic et ses potes font du skate, hein, finalement. L'ancienne voix de Sonic est vraiment mieux, quand même. Parce que bon, maintenant, à partir de Sonic Colors, là, la voix... américaine de Sonic n'est pas tip top. Voilà, Knuckles, toujours aussi brutal. Et oui, en fait, je vous ai pas dit, mais il y a trois sortes. C'est un peu comme Sonic Heroes à ce niveau-là. Il y a trois sortes de gameplay différents. Donc trois sortes de personnages différents. Dans un Mario Kart, par exemple, on parle des poids lourds, poids légers et poids moyens. Là, on va dire que c'est un peu ça. On va dire que Sonic, c'est le poids moyen. Et que les poids moyens, eh ben, ils vont assez vite. Enfin, Sonic, c'est le plus rapide. Et ils peuvent aller sur des rails. Ce qui est très rapide également, c'est très bon raccourci les rails souvent.
Par contre, ils peuvent être facilement éjectés par un autre adversaire à côté. Ça, c'est un peu leur point faible. Sinon, il y a les modes poids lourds, comme Knuckles. Donc, eux, ils ont des raccourcis aussi pour eux seuls, comme les types vitesse. Et ces raccourcis, à chaque fois, c'est défoncer des murs, enfin voilà, à coup de punch, de poing dans. À coup de poing, tout simplement. Donc voilà la présentation de Eggman, qui a une moustache encore plus grande dans cet épisode. Voilà, bon là, c'est. Là, par contre, c'est en temps réel. Donc, c'est le moteur du jeu. Donc, voilà, vous voyez, c'est pas fameux, mais ça va quand même. Bon, je trouve que quand même Sonic Adventure 2 est un peu plus détaillé à ce niveau-là. Alors que c'est quand même un jeu qui est sorti depuis. Depuis quand même pas mal d'années. Je sais pas quand c'est sorti sur Dreamcast, c'est peut-être sorti en 2000. Sur GameCube, c'est 2001, vers 2001-2002. Eggman, again! Just what is he up to this time? And there's more! Before I forget, I'll present the current contestants. These players, they're hot! The best racers I can find! Ouais, vous avez compris, en gros, Sonic et ses potes, ils vont essayer de gagner un prix. Je sais plus trop l'histoire, il y a très longtemps que je l'ai fait. Bah, en gros, faire un grand prix contre les trois méchants aussi qui font ce grand prix. Et là, à chaque fois, la plupart du temps, on a des petites missions comme ça au début. Mais là, c'est souvent finissez troisième, au moins troisième. Ou d'autres fois, c'est finissez au moins bah, premier. Finissez forcément premier. Et il y a pas mal de die and retry quand même. Faut quand même souvent connaître, assez bien connaître les circuits. Bon là évidemment vous connaissez le circuit donc je vais quitter. Ça sert un peu à rien. C'était juste pour vous montrer l'introduction du mode histoire. Donc on va faire des courses libres comme d'habitude. On va voilà. Donc je vous ai pas dit combien de circuits il y a en tout. Et je vous ai pas dit aussi les poids plumes. Mais bon de toute façon on va le faire ensemble. On va jouer un poids lourd puis après un poids plume. Pour vous montrer les différences. Bon, on va prendre celui-là par exemple. Green Cave, que un circuit que j'aime bien, l'un de mes préférés. Amy Rose, je sais même pas ce qu'elle fait. Mais peut-être qu'elle fait comme Sonic, oui, Speed. Évidemment. Donc voilà, Power, Puissance. Et Fly, Vol. Donc ce type vol, ils sont assez intéressants. Les raccourcis sont franchement cheatés, faut le dire. On voit très vite. C'est même encore mieux que les rails par moment. Ouais, moi j'ai pris sa planche de base à Tails. Et voilà, il y a plusieurs planches dans le jeu, il y en a pas mal. Je dirais qu'il y en a une bonne dizaine, voilà. C'est pas non plus énorme, mais voilà, c'est. Je trouve que ça suffit. Fichtre. Et après, il y a une planche spécifique pour chaque perso, évidemment. Pyrimé. Mais je peux pas aller prendre le raccourci, ils me font chier! Bon, bah, du coup, je vais réessayer quand même. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pouvais pas aller à gauche parce que j'étais en plein dans l'inspiration. Non, l'aspiration de. Voilà, il y a la petite animation de Tails, par exemple, là. Quand on fait B sur un ennemi. On est noté à chaque fois dans nos acrobaties. Il y a C, B, après ça part en H. Je crois que c'est un A mal foutu. Voilà, là c'est quand on vole. On vole soit en haut, soit en bas surtout. Mais on peut aussi un peu aller à droite, à gauche. Faut à chaque fois aller dans les gros anneaux quoi. Enfin les. Ah, vous avez compris, ces trucs là quoi. Là vous voyez franchement on va très vite comme ça. Et là je me suis loupé, il y avait un raccourci juste au-dessus. Et le truc,
en faisant des backflips, tout ça. Enfin, je vous ai déjà dit, voilà, on récupère de la vitesse. Sachant que la note SS est déjà une très bonne note. On récupère beaucoup de vitesse. Et la note X, je crois qu'on récupère toute notre vitesse. Ouais. Donc voilà, il y a les fameuses chaussures de vitesse qui permettent d'aller un peu plus vite. Enfin, un petit peu. Là, on va prendre le passage de base que tout le monde prend. Tout le monde peut prendre. Vous voyez, c'est quand même un peu plus long. Et les anneaux, bah, il y a marqué au bout de 30 anneaux, vous passez au niveau 2. Il y a marqué en haut à gauche. Donc ça, voilà, au niveau de l'interface, c'est nickel, hein, on comprend tout. Voilà, je me suis viandé, par exemple, et donc là, bah, c'est chaud pour réussir à l'avoir, quoi, notre anneau. Et là, je fais un peu n'importe quoi. Donc, du coup, c'est chaud, je suis pas tip-top niveau place. Voilà, vous avez compris, en gros, pour les types vol. Faut surtout jauger le stick directionnel, quoi, dans les airs. Et ça nous permet, bah, de souvent survoler un peu le circuit. Ce qui est quand même franchement pas mal. Donc on va prendre, par exemple, voilà celui-là qui est un très bon circuit aussi. On va prendre Knuckles. Alors quelle planche il a d'intéressante. Là, cette planche-là, par exemple, c'est... Enfin, le tapis magique, c'est... quelque chose qu'on a à la fin, vers la fin. Celui-là, il est complètement cheaté. Allez, on va prendre celui-là pour le fun. Il a pas une skin magnifique parce que c'est juste un nuage, mais il est cheaté. Vous avez vu les caractéristiques, c'est assez incroyable. Voilà, donc là, sur ce circuit-là, par exemple, on voit surtout que les rails sont très importants. On voit beaucoup de raccourcis avec les rails. Donc c'est peut-être pas le bon circuit que j'aurais dû prendre. Mais... Si là, par exemple, voilà, on défonce ça pour pouvoir aller en dessous, seul Knuckles peut y aller ou d'autres poids lourds. Donc là, vous avez compris ce que c'est. Quoique, je dis que c'est cheaté, mais en fait, il tourne trop bizarrement avec ce skate. C'est trop chelou. Et à chaque fois qu'on gagne un niveau, notre jauge de vitesse est remise à 100%. Voilà. Là, je suis allé vers Sonic, ça sert à rien. Purée, mais... Ah non, il est trop horrible. Ah bon, on va finir le circuit, parce que... Juste pour vous montrer. Les circuits durent à peu près, ouais, 1 minute. Ah, et ça, si on va dessus, voilà. On perd du temps, mais par contre, ça nous redonne toute notre jauge de vitesse. Donc voilà, là, je viens de me viander plein de fois. Non, c'est horrible. Quand on va sur les flèches de l'aspiration de notre adversaire, ça nous permet de faire des petits backflips, etc. Pour encore une fois augmenter la jauge de vitesse. Tout se joue au niveau de la jauge de vitesse. Voilà, après, vu que là, je ne sais pas du tout comment utiliser ce skate, je fais n'importe quoi, bah, du coup... C'est un peu chaud. Je suis pas premier. Mais quand même là, ils sont assez sympas. J'ai mis un niveau vraiment pourri, je pense. Je sais plus, mais... Je crois même d'ailleurs que j'ai jamais changé le niveau. Donc voilà, aussi on a un magasin. En fait, le mode histoire est plus compliqué, voilà. Que quand on fait les courses libres, l'IA est un peu à la ramasse. Donc voilà, là on a plusieurs skates qu'on peut acheter. Même des espèces de scooters qu'on achète aussi. Même si je suis pas fan des scooters, franchement j'en ai presque jamais pris. J'ai pas trop aimé conduire les scooters, leur gameplay n'est pas assez intéressant. Mais voilà, vous voyez le truc. Je sens que les anneaux, on en gagne en faisant des grands prix ou même juste des courses libres comme ça. C'est les anneaux qu'on récupère sur notre chemin, dans chaque circuit évidemment.
pour gagner en level. Donc les anneaux ils servent pas juste à gagner en niveau, ils servent aussi à acheter des choses, sachant qu'on peut avoir au maximum 100 anneaux. 100 anneaux dans chaque course. Alors qu'est-ce que... Il y a le mode équipe, ça c'est... Voilà, c'est en gros le mode bataille finalement. Dans Mario Kart. C'est du petit niveau bonus, voilà, c'est sans plus. Peut-être que j'en ferai avec Firefly peut-être. En vidéo. Vidéo défi, je ne sais pas. Mais bon, je pense que j'ai pas de super souvenirs sur ça. Le mode mission, j'ai passé beaucoup de temps sur le mode mission. Alors le mode mission, qu'est-ce que c'est? Bah déjà mission Storm ou mission de Wave. Je sais plus ce que ça veut dire exactement les deux. On va voir ça vite fait. Non, Wave je crois que c'est la nuit et puis Storm c'est le jour. Enfin Wave ça veut dire vague. Donc en fait je comprends pas. Et Storm... je sais pas. Je désert Storm. Le désert... je sais pas. Attends, il y a une mission vraiment pas mal. Dans Carnival, voilà. Le Carnaval. Ça, c'est un niveau de... comment s'appelle ce nom? Oh, Samba de Amigo. Et parce qu'il y a un niveau... repris de Samba de Amigo. C'est assez sympa. Je crois que c'est celui-là. Là. Utiliser R. Ah ouais, c'est ça. Vous allez voir que les missions sont vraiment sympas par contre. Il y a pas mal de missions sympas. Surtout les missions en fait quand on fait le mode vol finalement. Voilà, donc là il n'y a pas besoin de faire un super départ. Et voilà, là on commence. Et là faut à chaque fois rentrer dans ces anneaux. Ne pas en louper un seul. Ou surtout pas de retomber sur le sol. Et en fait, on fait le niveau d'une façon complètement différente. Ça, je trouve ça énorme. Alors, en volant, carrément. Et on le voit sous le niveau sous un autre angle. Et là, je tombe comme une merde. Ça met du temps. Le jeu a quand même voulu glitcher avant pour montrer le magnifique glitch. Donc voilà, si on vole pas, on fait ça. Ce circuit est assez joli. Mais voilà, il est complètement repris et c'est un circuit de Samba de Amigo en fait. Voilà, vu qu'on peut se perdre, puisque là c'est un petit peu labyrinthique, eh bien il y a une flèche. Je fais n'importe quoi. Ah mon dieu, mon dieu. Donc voilà, la mission est complètement loupée. C'était juste pour vous montrer comme ça la mission. Mais elle est assez dure. Les missions sont souvent assez dures. Mais voilà, je les ai à peu près toutes faites. Bon, pas le médaille d'or partout, vous voyez, hein, médaille bronze, argent. Et donc voilà, en fait, c'est surtout des missions qui nous permettent de plus connaître les capacités de type vol, type vitesse et type puissance. Donc ça c'est pas mal pour s'entraîner là-dessus quoi. C'est surtout là en fait là-dessus que je me suis entraîné pour les types vol. Parce qu'avant j'avais un peu de mal. Au début les types vol on se viande souvent hein, comme j'ai fait là juste avant. C'est assez dur à contrôler. Mais par la suite on s'y habitue et franchement on est presque imbattable quand on a un type vol. Voilà, après type vitesse c'est plus simple, type vitesse, parce que eux pour prendre le raccourci on fait juste, on appuie juste sur A et pour sauter, et puis re-A quand on est sur le rail, pour qu'ils se mettent bien sur le rail, et ça c'est quand même beaucoup plus simple à ce niveau là. Donc voilà, donc c'était pas mal d'explications, je pense qu'il y a pas mal de choses que j'ai quand même oublié. Donc voilà, grosso modo vous avez... je pense les bases de Sonic Rider, qui est un jeu franchement assez compétitif, très technique et d'une vitesse aussi hallucinante, hein, vous l'avez vu. Bon, c'est pas aussi rapide qu'un
qu'un F0 évidemment. Mais bon, ça va quand même très vite. Donc voilà, et puis voilà, graphiquement, c'est pas folichon. C'est plutôt, voilà, ça reste quand même convenable, hein, ça reste joli par moment. Mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Mais par contre, je trouve que les différents circuits sont vraiment intéressants, quoi. Tellement intéressants que j'ai envie de tous vous les montrer, en fait. Donc du coup, peut-être que j'essaierai de faire un mode défi, vidéo défi. Et voir s'il y a un mode difficile, parce que je sais plus du tout si on peut régler la difficulté. Par contre, ça c'est un petit problème. Peut-être qu'il y a un mode option, je ne sais pas. C'est un peu comme Dragon Ball Z Budokan Tenkaichi 3, où j'ai mis au moins 3 ans à trouver qu'il y avait un mode qu'on pouvait mettre en la langue orale japonais. On pouvait avoir la version japonaise. Alors, paramètres audio, paramètres vibration. Tiens, paramètres audio, on peut mettre la version japonaise. Mais voilà, je cherche. Données du jeu, ça doit être les. Ok, ça a rien fait. Bon, tant pis. Je crois que j'ai cru que c'était pour regarder le nombre d'heures qu'on a fait et tout. De toute façon, on le voit directement. Vous avez vu que j'ai fait 50 et quelques heures de jeu sur Sonic Riders. C'est quand même énorme. Car c'est un jeu, franchement, j'y ai passé beaucoup de temps. Voilà, c'est d'un côté un très bon jeu niveau gameplay, franchement. Au début, je vous le dis, c'est au début quand vous commencez une bonne histoire, dès le départ, vous galérez comme un porc. Vous faites, si après la première mission, je pense que vous réussissez, peut-être pas du premier coup, mais au moins du deuxième coup. Mais après, il y a des niveaux franchement chauds. À partir du troisième circuit dans le mode histoire, ça devient compliqué. Et là, vaut mieux être patient et perdre plusieurs fois, quoi. Vaut mieux être patient dans ce genre de jeu. Parce qu'on n'apprend pas tout directement comme un Mario Kart, quoi. Ou Mario Kart au bout de, je sais pas moi. Enfin, Mario Kart actuel. Parce que Mario Kart, oui, il y a quand même certaines techniques. Mario Kart 8, franchement, si après, si, il a un côté technique, mais on apprend quand même assez rapidement comment faire les dérapages. Car la plupart des véhicules, voilà, se ressemblent énormément au niveau des dérapages, quoi. C'est un peu le problème de ce Mario Kart 8. Voilà. Et alors que dans Mario Kart Wii, par exemple, on a vraiment les dérapages spécifiques des motos, dérapages spécifiques de certains cartes, etc. Donc Mario Kart Wii est plus technique à ce niveau-là. Et dans Sonic Rider, bah si vous aimez les jeux très techniques comme ça de course, franchement, bah vous allez pas être déçu. Et sinon, après, si vous êtes un joueur occasionnel, je vous le déconseille. Voilà. Sur ce, je vous dis à l'arrivée pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux vidéotests.